Bonjour. Donc, en tant qu'enseignant et enseignante, je suis certaine que lorsque vous utilisez un matériel pédagogique, vous aimez savoir qu'il y a plusieurs manières de l'exploiter avec vos élèves pour travailler différentes compétences. Dans cette capsule, je vais vous en présenter quelques-unes pour la collection de jeux Lecture et Inférence. Je vous rappelle le principe du jeu. En lisant les cartes, l'enfant devra éliminer progressivement des personnages pour en arriver à la fin avec un seul. Premièrement, pour le lecteur débutant, vous pourriez décider de projeter les images sur le tableau blanc interactif et de lire vous-même les cartes pour travailler le jeu collectivement avec l'ensemble de la classe. Ensuite, pour développer les compétences à l'oral, toujours en projetant l'image sur le tableau blanc interactif, vous pourriez travailler la devinette, demander à un enfant de choisir un personnage et de le décrire à l'ensemble de la classe. Donc, on pourrait en profiter pour travailler les parties du corps, les couleurs, les vêtements, plein de notions au travers de tout ça. Par la suite, pour développer les compétences à l'écrit, vous pourriez demander aux enfants d'être les maîtres du jeu, donc de se servir des modèles de cartes qui sont dans les boîtiers et de composer eux-mêmes les cartes qu'ils proposeraient à l'ensemble de la classe. Finalement, pour travailler l'imagerie mentale, on peut demander aux enfants de fermer les yeux. Lorsqu'on leur lit les cartes, on leur demande tranquillement de se forger une image dans leur tête et lorsqu'ils ouvrent leurs yeux, ils doivent pointer le personnage qui avait été décrit. Donc, on sait que l'apprentissage par le jeu, c'est vraiment stimulant pour les élèves. Avec un peu d'imagination et en tête les compétences qu'on désire travailler, il y a vraiment plein de manières d'utiliser ce jeu-là et bien d'autres jeux. En espérant que cette capsule vous aura donné plein d'idées pour travailler avec la collection de jeux Lecture et Inférence et vous aura ouvert l'esprit pour en découvrir d'autres. Belle découverte à vous! Pour découvrir l'ensemble du matériel, vous pouvez visiter le site Internet au www.passetemps.com.